Est-ce qu'on patiente les 30 secondes? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Double kill! Raisonnable à faire. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Brawl Stars, on va s'atteler au défi Ballon de Feu. C'est un défi qui fait son grand retour sur Brawl Stars, un défi spécial Brawl Ball, 4 étapes, 8 games à gagner pour rafler toutes les récompenses et surtout la nouvelle emote Vuvuzela. Alors je me demande grave, est-ce qu'elle va vraiment faire le bruit d'un Vuvuzela? C'est ce qu'on verra une fois qu'on l'aura débloqué. En tout cas c'est un défi en vie illimitée encore une fois, donc on est au calme. Mais un défi un petit peu spécial quand même parce qu'il va avoir à chaque game le modificateur Ballon de Feu qui détruit tout sur son passage et qui fait des dégâts. Pour le thème un petit peu de ce challenge, je ne vais jouer que les skins pirates, que les 4 nouveaux skins pirates. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Magix à ma gauche, avec son magnifique Colt Corsair, et Vipero à ma droite, qui a déjà sa petite Bibi pirate maudite. Et allez, ni une ni deux, on rentre dans ce défi. Je commence avec le petit Griff avec son skin pirate, les amis. Il est magnifique. Je ne l'ai pas encore trop joué, donc là, ça va me permettre un petit peu de voir vraiment à quoi il ressemble. Déjà j'aime beaucoup les attaques avec les diamants. Alors voyons voir. Ouais non vraiment carré hein, ça passe crème. Je suis full là. Oh là là, j'ai dit que je suis full life mais plus du tout. Ok c'est bon. Donc là Vipero il a essayé de prendre le ballon mais il a pas pu du tout. Clac. La passe à Magix. Oh oui le tir. Oh dommage. Dommage dommage. On est contre quoi? On est contre une petite Shelly qui s'est faite nerfer hein, depuis. Boum. La passe, ça détruit le mur normalement. Oh c'est bon. Let's go. Vipero qui a tiré, qui a tout détruit sur son passage avec le ballon de feu. Non, c'est un vrai délire. Hein. Allez, concentration. Bim. Alors, vas-y, j'attends que mes potes se positionnent. Vas-y, Vipero, peut-être devant. Si ça passe, ça peut le faire. Allez, oh, il a plus beaucoup de vie, malheureusement. Oh oui, le tir. Oh, il a réussi. Let's go. Première victoire dans la poche. On enchaîne sur la deuxième. Ah, c'est l'heure du star drop, les amis. Voyons voir. Oh, on passe de rare à mythique d'un coup, c'est pour la vidéo, c'est parfait. On reste en mythique. Une emote. Oui, une nouvelle emote encore, mais let's go. Mais à chaque vidéo défi, je vais débloquer des nouvelles emotes. Et allez, deuxième game de Brawl Ball qui démarre tout de suite. Je reste avec mon petit Griff, coffre maudit. Je sais plus c'est quoi le nom exact de ce skin. Dites-le-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez, les gars. Avec mon petit Griff, coffre maudit. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Mais en tout cas ouais, ensuite je passerai sûrement sur Mégalodon. Bim. Et ensuite bah on enchaînera sur les autres skins pirates tranquillou. Hop, 1000 de dégâts à chaque seconde, c'est énorme quand même. Ça rigole zéro, il faut vraiment avoir les PV pour voilà prendre ça. Carré. Le boule, on en fait qu'une bouchée. Le dynamite, on le tue de loin. Je vais laisser mes mates prendre ce qu'il faut. Vipero, let's go. C'est trop facile avec le ballon de feu. C'est trop facile. Est-ce qu'on va avoir une game qui va vraiment nous poser problème? Est-ce qu'on va trouver des adversaires à notre hauteur, les refs? Alors, c'est vraiment pas pour me vanter ni rien, mais voilà, vous savez très bien que les défis en vie illimitée, le niveau n'est pas aussi élevé que dans le défi du championnat Brawl Stars par exemple. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, deuxième victoire effectuée. On passe sur la deuxième étape. Oh là là, non mais attendez, j'ai dit précédemment que j'allais jouer Mégalodon à cette étape. Mais en fait c'est faux, je reviens sur mes mots les amis. Je vais jouer Bibi Pirate Maudite parce que regardez la map. Imaginez la bubule d'une Bibi. J'ai trop envie de mettre des petits ultis. Alors attendez, on va essayer. Déjà il va falloir en charger un. Clac. Brock, viens par là. Viens par là. Ok, premier but de la part de Magix. La question c'est, est-ce que je vais avoir le temps de mettre une bubule? Est-ce que je vais pouvoir? C'est limite en fait, faut pas gagner trop rapidement. Bizarre comme concept. Oui. Ok, on est pas mal. Oh là là, mais non. On gagne les parties trop rapidement, j'en peux plus. Non, en vrai, GG à mes alliés, on enchaîne sur la prochaine game. Le niveau des défis en vie illimitée est tellement inférieur aux défis où les vies ne le sont pas. Vraiment, où on a un nombre de vies limité, les amis. C'est un truc de dingue. Alors, vas-y, objectif, remplir un petit ulti quand même. Et non, et cette fois-ci, c'est moi qui marque trop vite, j'en peux plus. Pitié que je mette une bulle. Une bulle. Eh, vas-y, tu sais quoi, je prends même pas le ballon.
Vas-y, en fait, si je veux mettre un ulti... Oh, ça y est. Là... Non. Attendez, faut pas qu'il marque. Oh, faut pas qu'il marque. Non, les gars, marquez pas. Je suis pas au micro avec eux. Non, c'est pas possible. Bon, bah, GG. On passe à la troisième étape. Ouh, nouveau star drop. Est-ce qu'on va passer de rare à mythique d'un coup? Non, c'était un truc de fou déjà au dernier star drop. Cette fois-ci, ce sera des points de pouvoir. 3, 2, 1... Hey. Ah, cette map de Brawl Ball m'a l'air beaucoup plus adaptée pour la petite Meg. Mégalodon, devrais-je dire. C'est parti, voyons voir s'il y a de la difficulté en face. Le Gaël possède un titre quand même. Donc ça veut dire qu'il a charbonné. Hein. Moi qui ai débloqué deux titres dans Brawl Stars, je sais ce que ça prend maintenant. Et je peux dire que ça prend à peu près genre... Oh. Je peux dire que ça prend à peu près 24 heures de jeu en vrai. Je dirais en moyenne, parce qu'on m'a posé cette question dans l'espace commentaire d'une vidéo. Genre combien de temps ça prend pour débloquer un titre. Et j'ai littéralement répondu, bah, par rapport à ma propre expérience, 24 heures, tout simplement. Ouais. Ouais, terrible, est-ce que je vais mourir là? Non, c'est bon. Le Mortis me laisse tranquille, bizarrement. Ok, nickel. On va se retransformer. Boum. Le Frank qui va... nous ulti, y a pas de souci comme ça, il ulti pas mon petit Colt. Ok. Oh le tir, oh le tir. Oh oui, Magix le tir, let's go de loin, il est parti de loin. Allez c'est parti, on y va. Ok, le gadget du Frank. C'est bon, il est mort. Petit ulti. Non, j'ai pas eu le temps. Nice, je garde le ballon. 752 dégâts. Ah oui, c'est parce que Meg, elle a le bouclier. Intéressant. Allez, bien joué. Vipero qui se saisit du ballon et qui tire. Non. Joli arrêt de la part du Gaël en face. Limite, je suis content qu'il ait fait un arrêt. C'est pas possible, ça, j'en peux plus. Allez, on régène un ulti. On se retransforme. Bram. Ouais, je me fais enchaîner de tous les côtés là. Wow, j'étais acculé contre le mur là. Allez, on y retourne. Mortis, viens par là. Ouais. Ouh, le Frank qui a failli m'avoir. Hey, en vrai, le Gaël avec son titre là, ça va. Hein, ça joue. Ça joue. Allez, vas-y, je me heal. Magix peut-être la passe. Ouais, bien joué. Ouais, je peux pas faire grand chose de toute façon ici. Est-ce que ça va se terminer à 1-0? Très joli grab de la part de Magix avec son jean pirate. Magix, il m'a dit au début de la vidéo, je vais utiliser les skins pirates moi aussi, mais les nouveaux. Let's go. Alright, allez, nouvelle victoire. On passe à la game suivante. Allez, on est toujours sur cette même map de Brawl Ball. Cette fois-ci, Byron, Surge et Bibi seront nos adversaires. Vont-ils être à la hauteur? Le Gaël y était pas mal, là, juste avant. On va voir ce que valent ces adversaires-là. J'ai pas vu qu'il y avait de titre ou quoi, mais bon. Un titre n'est pas égal au skill, évidemment. Un petit peu comme un skill, en fait. J'ai l'impression que ça va, ça se déplace plutôt bien. Le Surge, là, qui patiente bien. C'est cool. Byron qui vient de faire un kill. Moi, je pense que je vais les charger, là. Non ! Je l'ai mal fait ! Il y avait le mur ! Oh, les amis ! Bon, au moins, on va appeler ça une diversion qui a permis à Vipero de marquer sur le côté gauche. En vrai, oui, mais bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je m'attendais pas à tirer dans le mur. Va falloir que je fasse gaffe à la prochaine fois. Ok, bien joué. Les petits gadgets de ma part. Aïe. Ulti sur la Bibi. Les adversaires qui forcent. Bien joué, voilà. On avance, on va mettre la balle là-bas dans leur coin pour l'instant. Oula. Oh là là, je suis mort dans le film. Oh, oh le Byron, il m'a... empoisonné. Littéralement. Allez, on y retourne. Surge qui va pas pouvoir faire grand chose avec ses PV là. Wow, il est full life. Il est full life. Oh. Je dégage le ballon. Nickel. La mec qui veut. La mec. La Bibi qui veut absolument me tuer. On protège ça. Boum. Faut que je régène, faut que je régène. Pas eu. Oh, joli, hein. Ça joue. Le Surge, malheureusement, qui pouvait rien faire. Est-ce qu'on patiente les 30 secondes? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus raisonnable à faire. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Double kill. Raisonnable à faire.
incroyable. Je suis mort dans le film, je pense. Magix, encore le Surge au même endroit. Ah, je pense pas qu'il pourra hein, contre mes deux Srab, là, ça va être chaud. Oh. Oh. 10 secondes. Oh. Le Surge, il abandonne pas. Hein. Mais c'est terminé pour lui. GG, les gars, on peut passer à la quatrième et dernière étape du défi. Et quoi de mieux qu'un petit Surge Kraken des familles afin de terminer ce défi, les amis. En tout cas, il nous reste encore deux games. Si jamais on fait pas de défaite, ce sera les deux dernières. Si jamais il y a une petite défaite dans le tas, bah écoutez, il va falloir recommencer. Hein. On a envie illimitée. Allez, on espère que ça va être intéressant quand même. Vu qu'on est... On est à la dernière étape, donc normalement il devrait y avoir quand même un petit peu de niveau. Oh là là, il est beau ce Surge Kraken quand même. Oh, il est trop bien modélisé, je trouve. Franchement, il est magnifique. Regardez-moi ses spins. Regardez-moi. Oui. Quel Léon qui s'est pas fait avoir. La passe sur le côté. Attention, le Léon, voilà. J'arrive. Le Léon. Non, c'est le Mister P, ça. Oh, le Léon, il était là, dans mon dos. Ricardo, qui se fait tuer par le ballon de feu. Ricardo, je sais même pas s'il a réalisé que le ballon était en feu, vraiment. Hop. On dégage ça. Ok, le vrai Léon. On l'a capté. Le Mister P, boum. Nice. Quel plaisir de jouer Surge Kraken, les amis, franchement. Je crois que c'est quel plaisir de jouer Surge tout court, en fait. Hein. C'est pas un brawler que je joue beaucoup. Alors que je trouve que j'ai toujours trouvé que ça a été un brawler qui est super fort, vraiment limite cheaté. Alors là, comment on va faire? Oh là 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 là, comment on va faire? Bah, on va se prendre le but! Premier but que l'on se prend de la part des adversaires depuis le début de la vidéo, si je dis pas de bêtises. Attention, hop! Tenez les gars, prenez ça! Ouh! Tiens, Primo, c'est pour toi! C'est bon. Vas-y, Magix qui demande le ballon. La passe, le tir. Magix! Let's go! On passe à la dernière game. Enfin, la dernière game, ça c'est uniquement si on gagne cette partie, les amis. Si on la gagne, c'est la dernière. Alors voyons voir ce que Mortis, Daryl et qui. C'est un Primo en face. Voyons voir ce qu'ils arrivent à faire. Eux déjà, ils ont réalisé que le ballon était en feu, donc ça va. Où est-ce qu'il est, le troisième joueur? Il est mort déjà? Mortis? Mortis! Ok, let's go. 1-0. Ah là là, la fin se rapproche, les amis, mais c'est trop rapide. C'est trop rapide. C'est quoi ce défi? C'est pas possible. Mettez-nous des vrais adversaires, pas des bots. Oh. Oh. Non. Pépéro. Oui. Let's go. Eh bien, écoutez, défi remporté, les amis. C'était vraiment facile, je vais pas vous mentir. Boum, c'est remporté. Voyons voir le pins, vous êtes là. On va faire un test quand même en cette fin de vidéo. J'ai envie de savoir s'il fait d'ores et déjà un bruit. Allez, attention, suspense. Est-ce que le pins fait un bruit un petit peu comme l'imo de sifflet? 3, 2, 1. Oh non, il y a zéro bruit. Je pensais tellement que ça allait faire le bruit d'un vuvuzela ou quelque chose. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est le plan de la Brawl Stars Team pour le futur, de mettre un petit bruit sur cette emote, une petite animation également, c'est ce qu'on verra. En tout cas, merci à Magix et merci à Vipero d'avoir joué avec moi sur cette vidéo. Vous avez déchiré, les gars. N'oubliez pas de mettre le code créateur Lion dans la boutique de tous les jeux Supercell. Merci à tous ceux qui mettent mon code. Je vous dis pareil pour le petit pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas d'ores et déjà fait. Et je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Lion. Ciao ciao les potes.